Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, je vous avais montré dans Je bricole. Voilà, j'étais en train de faire ces étiquettes-là. Voilà, j'étais en train de faire ça. Certaines d'entre vous avaient trouvé que c'était pour comment dire, un calendrier perpétuel et avec raison. Voilà. Mais au final, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps pour faire ça, que j'adore, voilà. Mais du coup, ça ne va pas du tout pour ce que j'ai voulu faire au départ, parce que ça ne rentre pas dedans, j'ai pas réfléchi. En fait, j'ai voulu refaire ce calendrier-là que j'avais reçu, que je trouvais vraiment très beau. Comment dire, Véronique, elle a utilisé un papier qui est vraiment dur, hein, voyez. Alors que moi, j'utilisais du papier chez Action. Et même comme ça, alors que c'est épais, il est presque plus mou que celui-là qui est fin. Enfin bref, toujours est-il, c'est que j'ai dû le... il y a trois couches de papier, en fait. Voilà, trois couches de papier. Et du coup, plus, alors trois couches de papier, plus mes étiquettes que je trouvais très jolies, que j'ai mis du temps, mais vraiment du temps à tout couper, à couper les angles, etc. J'ai passé des heures à faire ça. Tout ça sans réflexion, bien sûr. J'étais partie dans mon idée, elle me plaisait tellement, je trouvais ça tellement joli, que j'ai pas réfléchi que, voyez, regardez l'épaisseur que ça fait par rapport... Hop, hop, je vais vous montrer. Voilà. Voilà l'épaisseur de l'un et voilà l'épaisseur de l'autre. Et vu que c'est pour faire un envoi, c'est pour offrir à une copinette et que c'est pour faire un envoi loin, voilà, eh bien, et ça dépasse. Alors, déjà d'une, ça ne rentrait plus dans le calendrier que je vais vous montrer après, la base. Et en plus, vu que c'est pour le Canada, il faut pas que ma lettre elle dépasse les 3 cm d'épaisseur. D'où mon idée d'avoir fait cette petite création. Voilà. Et alors du coup, je me suis dit qu'à cela ne tienne, vu que j'adore mes étiquettes et tout, je vais changer. Et donc, je suis partie sur une autre base, voilà. Oh, j'ai mis du temps, hein, parce que il a fallu faire des petites choses comme ça, voilà, pour mettre là. Et du coup, ça aurait fait... Alors là, évidemment, il n'y a pas le socle, mais je vais vous montrer ce que ça aurait fait. Alors, si... Voilà, ça aurait pas... J'aurais partagé, voilà. Voilà, mais hop, il faut savoir que là, il n'y a pas le fond, hein, comme je vous ai dit. Hop là, moitié-moitié. Quelque chose comme ça. Et là, c'était pareil. Là, normalement, il y en a deux qui vont là. Enfin, c'est juste pour vous montrer hein, comment mon idée qui me plaît bien, hein, mais que c'est pas assez large. Voilà. Donc, je recommencerai peut-être, mais vous voyez, là, j'ai tous les chiffres pour le côté du 1 à 10, en fait. Hein, et je peux en mettre, voilà, je peux en mettre vraiment que 3. Voilà. Voilà. Si je rajoute celle-là derrière... Voilà, hop, voilà, ça va. C'est juste pour vous montrer que ça n'est pas du tout. Voilà, ça va pas du tout. Mon histoire, voilà, c'est pas. Voilà, ça va pas. Donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, j'ai passé beaucoup d'heures avec ce projet pour rien. Donc, je me suis dit, je vais me garder ces étiquettes-là. Voilà. Ça, je vais les garder. J'offrirai un calendrier différent, en fait, plus large.
Voilà, quelque chose de plus large, parce que là, je voulais garder mes 3 cm pour pouvoir poster, et ça ne va pas. Donc, voilà, tout ça, ça reste de côté. Voilà, j'ai passé des heures pour rien, j'ai utilisé du papier pour rien, mais quand j'ai envie de quelque chose, voilà, je prends mon temps, et voilà. Et au final, voilà ce que j'ai fait. Alors, là, c'est le dos. Alors, à l'origine... Voilà, c'était ça. Alors, attendez, je vais enlever comme ça. Je ne veux pas que vous voyez tout de suite. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait au début. Voilà, j'avais fait ça. J'étais très contente de mon petit... voilà. Hein. Et du reste... Ça faisait très joli, la couleur, elle était très jolie, hein, tout ça, ça allait très bien, hop, voilà, et voilà, enfin, je mets là comme, voilà, comme j'aurais mis rien, mais c'est, hop, c'est juste pour que vous voyez comment ça faisait, voilà, je trouvais ça très joli, voilà, j'aime beaucoup les couleurs, et je pense que la personne à qui c'est destiné aurait... beaucoup aimé, voilà, ces couleurs-là. Seulement, voilà, c'est trop épais, donc ça va pas. Donc, ce que j'ai fait, au bout d'heures et d'heures et d'heures de travail, je me suis dit, faut arrêter mes bêtises. Tant pis pour mes étiquettes que j'aime beaucoup. Je vais refaire des étiquettes toutes simples. Et donc, voilà ce que j'ai fait comme étiquette. Alors, j'ai pris... Hop, j'ai pris ce bloc là, vous savez, ce que j'ai eu chez Nose il y a quelques temps. Voilà, j'en avais pris 2 pareils et j'en suis fort aise parce que du coup ça m'a permis d'avoir assez de papier pour faire toutes les étiquettes. Et donc voilà ce que ça fait, voilà les étiquettes. Alors par contre, j'ai fait au lieu de faire double. Comme derrière c'est pas, enfin ça va pas, et comme je voulais pas doubler pour que justement ça fasse pas gros, donc j'ai laissé comme ça, mais j'ai mis là en haut janvier, voyez, hop, février, mars, avril, mai, juin, voilà, et ensuite on retourne, voilà, dans l'autre sens. Voilà. Et là, voilà, ça fera ça. Ça fera juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et donc là, ça vient là. Voilà. Ensuite, j'ai fait exactement le même système avec les jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ensuite, je tourne. En fait, et ça fera, voilà, vendredi, hop, samedi, dimanche, voilà. Et donc, aujourd'hui, on est jeudi, voilà, et là, je mets là, voilà. Alors là, c'est pareil, on met que le 1, le 2 et le 3, donc j'ai fait pareil, hein, vous voyez, hop, le 1, le 2 et le 3. Donc, quand il n'y a rien... Comme là, on est le 4. C'est le 4 aujourd'hui. Oui, on est le 4 juillet. Donc, eh ben, ça fera comme ça. Il y aura les 2 petites fleurs. Et donc là, c'est exactement le même système. Hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, quand on arrive, eh ben, on tourne à l'envers. Hein, ça fait 6. 7, 8, 9, 10. Je pense que vous avez compris le système. Donc là, je vais mettre 4. Hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon 4? Il est là. Voilà, là, je vais faire le 4 et je le mets là. Et donc, voilà, on est... Vous voyez, ça tient. Voilà. J'ai décoré avec mes petites fleurs confetti. Voilà. Et je... Bah, j'aime bien. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et donc, je me suis vivement inspirée de... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, voilà. J'ai mélangé.
Alors, attendez que je remette tout ça bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 4. Voilà. Ah oui, parce que c'est... J'avais mis 3, puisque hier, on était le 3. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas changé. Voilà. Donc, voilà. Celui-ci est... Et voilà celui-là. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je regarderai. Il me semble que Véronique, elle avait dit où elle avait eu le tuto. Voilà, où elle avait eu le tuto pour faire ce calendrier. J'essaierai d'aller regarder dans les... comment dire... en dessous les commentaires de... Je crois qu'elle l'avait mis... en dessous, quand j'avais présenté sa participation, il me semble. Hein. Je vais regarder. Voilà. Si je trouve, eh ben, je vous mettrai le lien. Voilà, je vous mettrai le lien pour faire ce calendrier-là. Moi, je n'ai pas, j'ai pas regardé le tuto, en fait. Hein. J'ai fait parce que, bon, ça me paraît évident. Enfin... de le refaire, enfin, j'ai pas de problème quand je vois comme ça à le refaire. Donc, j'ai pas du tout regardé de tuto, mais si je trouve le tuto, puisque là, moi, je vais pas vous faire un tuto, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long, voilà, pour moi. Alors, il y a des gens qui vont faire très, très, très vite, mais c'est pas mon cas. Donc, je mettrai le lien de quelqu'un pour que vous puissiez le refaire, parce que franchement, je trouve que c'est très joli, même pour faire un petit cadeau, franchement, voilà. Hein. Ou même si vous avez des cadeaux à faire ouais, à des mamies, des choses comme ça. Franchement, c'est pas mal comme idée. À part que il faudrait juste peut-être trouver le système, des fois, de mettre ça un peu plus grand. Qu'on voit plus grand les... Parce que souvent, les personnes âgées, elles ont un peu de mal à quand même à voir. Ils ont des lunettes, tout ça. Et donc, mettre les chiffres un peu plus grands, un peu plus gros, les lettres, en fait. Mais franchement, c'est super. Voilà. Bah, écoutez, bah, voilà, hein, je vous dis, c'est... alors, je vous ai dit que c'était pour une copinette. Donc, là, vous avez vu la date. Hein, je fais cette vidéo le 4 juillet. Mais là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. On doit être, oh là là, peut-être 10 jours plus tard au moins. Oh oui, on doit être au moins le, je sais pas, le 14, le 15 juillet, quelque chose comme ça. Parce que c'est, comment dire, je participe pas souvent à des concours. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais là, voilà, c'est exceptionnel. C'est pour Sylvie de la chaîne Vie Création. Je sais pas, je trouve qu'elle fait... J'adore regarder sa chaîne, voilà. J'adore regarder sa chaîne, ses vidéos. J'aime bien son univers, j'aime bien ce qu'elle fait. Enfin, voilà, quoi. Et en fait, ben... elle a lancé un concours pour ses 1000 abonnés. Et c'est vrai, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de participants. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est loin. C'est vrai que bah, c'est le Canada, en fait. Hein. Alors, c'est sûr que les frais, j'en sais quelque chose. Hein, puisqu'elle avait gagné à mon concours de 5000 abonnés. Et, mais bon, elle a participé à mon concours. À chaque fois, elle participe à mon concours. Voilà. Et donc, en plus, elle aurait eu 50 ou... participation, participant, un truc comme ça. J'aurais peut-être pas participé, pas parce que je veux pas, mais à cause du temps, parce que voilà, j'avais pas forcément le temps ni l'idée de me préparer, parce que c'était, elle a lancé le concours. Je sais même pas si j'étais déjà revenue de vacances, mais enfin voilà, ça me laissait pas beaucoup de temps en fait pour faire quelque chose. En plus, sachant que c'est le Canada, donc il faut que ce soit une... Elle a demandé une petite création et il faut qu'on puisse le mettre dans une enveloppe parce qu'en colis, ça monte tout de suite à 30 et quelques euros.
Alors, du coup, vu que j'ai eu tous les envois déjà de mon propre concours, voilà, ça pour moi, au niveau de mon porte-monnaie, ça faisait trop. Voilà, ça fait trop. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais voir si je trouve une idée, en fait, pour faire une petite création que je puisse mettre dans une enveloppe. Voilà, et comme ça, pour. Voilà. Parce que là, jusqu'à présent, on est déjà le 4 juillet. Elle a eu que deux participations. Voilà. Enfin, elle a mis que deux vidéos de deux participations. C'est vrai, ça me fait quelque chose. Parce que franchement, elle est super gentille. Puis elle fait de très jolies choses, en fait. Et je trouve ça dommage. Mais bon, après, voilà, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas forcément... voilà. Mais voilà, donc je tenais à participer, en fait, voilà, je tenais à participer à son concours, voilà. Et si elle passe par là, je lui fais un gros bisou, voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser, voilà, donc ça, c'est ma petite création. Hop, je vais la mettre là-dessus, voilà, comme ça. Donc, je vous dis, hein, là, vous êtes en train de voir cette vidéo, mais logiquement, elle l'a déjà reçue. De toute façon, son concours, il se termine le 15 juillet. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, vous pouvez y participer, puisque de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera trop tard, en fait. Hein, voilà. C'est dommage, on ne voit pas bien. Attendez. Je vais mettre, ou peut-être que c'est trop, la lumière, elle est peut-être, attendez, je vais éteindre la lumière, là, si elle veut bien s'éteindre, il faudrait déjà que j'appuie sur le bon bouton, voilà, j'espère que ça va lui plaire, j'ai mis beaucoup de temps, hein. Il y en a pour des heures, voilà, je me suis bien amusée, mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et c'est vrai que quand c'est couché, on ne voit pas. Bah ouais. Voilà, comme ça. Donc, mon petit commentaire. Allez, bisous, bisous.